Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans le coin astuce de l'Odyssée Zen d'Angélique. Alors aujourd'hui, j'accueille Cyril. Bonjour à tous. Et je vais vous montrer une petite technique pour venir à bout de la diarrhée hivernale. Vous savez, des fois quand on attrape des coups de froid sur le ventre, donc on a des diarrhées, et il est possible, avec la médecine chinoise, d'en venir à bout assez facilement. Alors, je vous retrouve en gros plan avec Cyril. Allongé. Alors, il y a deux techniques. La première, en fait, c'est comme il y a beaucoup d'humidité, on a tous du gros sel à la maison. Donc, on met du gros sel dans le nombril. On en met pas mal, hein, d'accord? Parce que, voilà, ça va absorber l'humidité. Et ensuite, avec un moxa, on va venir chauffer. Donc là, c'est pareil, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas allumer le moxa. On l'allume, donc ça se trouve très facilement, ça, sur internet, il n'y a pas besoin voilà, de choses particulières ou d'ordonnances. Donc ce sont des herbes médicinales. On l'allume comme un briquet, comme une cigarette, pardon, normale. Et on va venir chauffer au niveau du gros sel et autour du nombril. Mais pendant au moins 3-4 minutes, véritablement, et on chauffe bien, bien, bien au niveau du nombril. Au niveau du gros sel et autour du nombril, mais pendant au moins 3-4 minutes, véritablement, et on chauffe bien, bien, bien au niveau du nombril. Ça permet de faire stopper la diarrhée pratiquement instantanément. Voilà. La deuxième technique, c'est avec le baume du tigre, le rouge, hein, j'entends. Donc on va venir prendre du baume du tigre et on va venir masser le ventre. Alors, il faut savoir que le gros intestin, il part effectivement donc de votre droite comme ça et il va sur la gauche. Quand on a des problèmes de constipation, on essaie d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens de l'intestin pour faire déféquer. Par contre là, on va faire le sens inverse, puisque là c'est des diarrhées, on veut stopper la diarrhée. On va masser. On va chauffer un peu le ventre, on va masser avec le baume du tigre. Et ensuite, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va remonter le gros intestin. Voilà. On va masser comme ça. Et vous faites ça pendant aussi 3-4 minutes, d'accord? On chauffe bien d'abord le baume du tigre, hein, parce que c'est fait pour chauffer. Et ensuite, on fait le massage dans le sens inverse, voilà. On n'hésite pas à appuyer. Hein. Voilà, donc en fait, ces deux techniques, je précise, ne sont pas compliquées. Il faut bien s'assurer qu'il s'agit bien de la diarrhée hivernale, hein, du coup de froid qu'on vient d'attraper sur le ventre en général, on le sent bien. Voilà, c'est la fin de cette petite astuce, j'espère qu'elle pourra contribuer pour vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire sous la vidéo si vous avez testé cette technique. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre astuce dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Au revoir. À bientôt.